La recherche contre la maladie d'Alzheimer avance. Et dans cette lutte implacable, France Alzheimer et maladies apparentées est plus que jamais aux côtés des chercheurs, parmi les meilleurs et les plus chevronnés. Aujourd'hui, l'épisode « Par-delà les étoiles ». Comme chacun sait, le cerveau est composé de neurones, mais pas seulement. En effet, les neurones évoluent dans un environnement complexe, composé notamment de cellules dites gliales, majoritairement représentées par les astrocytes. Ces astrocytes sont des cellules caractéristiques en forme d'étoiles et ont un rôle vital dans le fonctionnement neurologique. En les observant de plus près, nos chercheurs constatent que lorsque la maladie d'Alzheimer est détectée, certains astrocytes développent une réaction. Ils semblent tenir là une information précieuse qui pourrait aider à la compréhension des mécanismes de la maladie d'Alzheimer. Que se passe-t-il dans les astrocytes lors de la maladie d'Alzheimer ? L'apparition des astrocytes réactifs est-elle une conséquence de la maladie ou bien participe-t-elle à son développement? Et si on était en mesure de cibler ces astrocytes réactifs, pourrait-on ralentir, voire empêcher le développement de la maladie? Autant de questions posées auxquelles France Alzheimer et maladies apparentées souhaitent apporter des réponses grâce aux chercheurs afin qu'un jour, Alzheimer ne soit plus qu'un lointain souvenir. Ensemble, donnons aux chercheurs les moyens de combattre la maladie. Aidez-nous à lutter contre Alzheimer. Faites un don sur francealzheimer.org.